Paris, donc ils avaient supprimé une voie, et la queue à partir de 16 ans, ça. Je sais que le matin, je suis parti le matin, je suis parti de cette place à 7h30. Quand j'arrivais, je suis tombé juste dans le départ du train. Ah bah, ça vaut tout, moi je suis... J'ai fait la remarque pré-militaire. Et 73-51, Daniel, j'arrive au pied, quasiment au pied du pont d'Aquitaine. Ah, 73, mon ami, 73 à toi. Ben tu vois, là, j'ai tenté le risque de taper les smartphones, là. Voilà. Mais écoute, j'ai changé mon texte, je suis classé par Bordeaux sur le mobile. Hein. Je suis avec la super Bordeaux, puis là, moi, tu vois, je passe devant la pauvrerie. Hein. Voilà, donc j'ai pas écouté la radio, je relance l'appel pour voir s'il m'entend. Bon, mais ça va quoi, t'es de quel côté aujourd'hui là? Alors là, je vais sur Mérignac. Ah ben ça passe bien, là je suis au sommet du pont d'Aquitaine. Là c'est tout cuiro. Et oui, alors aujourd'hui Mérignac, plus une vacation de rajouter pour demain. Demain je vais à Saint-Médard. Ah, je peux pas le dire là. Mais si tu connais, c'est l'autre marque de là où je vais, l'autre marque concurrente, on va dire ça comme ça, de là où je vais aujourd'hui. Je sais plus quoi. je sais plus. Aujourd'hui, je débauche à 17h, ça c'est certain. Demain, je sais pas, il faudrait que je regarde mon planning. Mais après, demain, j'y vais pour juste pour quelques ouvriers là qui vont être à bosser dans un bâtiment. Donc l'heure de débauche n'est pas très précise. Il y a un maximum, oui, mais je peux débaucher avant, puisque je vois une fois, je suis allé là-bas et c'est ce qui s'était passé, quoi. J'avais bien débauché une heure et demie avant, quoi. Oui, c'est vrai que... Ah, mais ouais, peut-être, qu'est-ce que je peux dire, le bâtiment 35, ouais, je crois que c'est ça, oui. Alors, c'était le bâtiment 16-17, c'était pas triste, c'était le bon bâtiment, mais si tu veux, demain, non, il serait presque à avoir fini, ok, non, parce que tu vas à cœur, tu débauches, tu passes pour le capital à des jours. Voilà, demain, non, j'ai rien contre, je suis trois coups. J'ai rien contre, mais c'est par rapport à l'heure et tout ça. Même si je suis plus trop sur le QSO du canal 27, je fais quand même quelques petites vidéos pour t'expliquer. Plutôt que de faire trois vidéos pour trois QSO, je suis rendu à faire une vidéo pour trois QSO. Donc j'essaie quand même de faire quelque chose un petit peu à ce niveau-là. Puisque là, de mon côté, il y en a qui ont vraiment décidé de me faire QRT. Alors, ils vont pouvoir se lever de bonne heure. Hein. Mais ça gonfle bien. Et ah bah oui, on en a déjà discuté, quoi. Voilà, tu... N'hésite pas. Le souci, c'est que...
On n'a pas les, tu n'as pas les patrons libres. On a, tu n'as que les prénoms. Je sais bien, mais bon, là pour l'instant j'ai pas trop le temps car j'ai un petit souci là du côté de la salle de bain. Là je suis plutôt en plein travaux là pour le moment, et donc là ça c'est mis en pause là, pour le moment quoi. Par contre c'est faut bien que je réfléchisse sur sur comment faire le jour où on va dire pour pas mettre d'autres personnes dans l'embarras quoi. J'ai du mal à te sortir. Hein. Là, je suis toujours au même endroit à chaque fois où ça fout la merde. Là, alors attends. Avant d'arriver à la sortie, dans le grand virage, là, avant d'arriver à la sortie 7. Hein. À chaque fois, putain la vache, ça passe mal là ici. Hein. Attends deux secondes. Mais j'ai pas compris grand chose dans tout ce que tu m'as dit là. Je suis désolé Daniel, mais c'est vrai là, j'ai vraiment pas compris grand chose dans tout ce que tu m'as dit là dans le push. Au secours. Là je suis là sur le point d'arriver là sur le radar automatique. Et putain, alors là je t'entends gazouiller là derrière, mais c'est tout ce que j'ai entendu là. Il faut vraiment là que je me sorte de là pour arriver à t'attraper à nouveau quoi. Ah, j'ai entendu le Roger B pour aller derrière. J'arrive à la sortie 8. Voilà, là je t'entends parler derrière, mais de là à comprendre, pas vraiment quoi. Pourtant,
Ouais, mais là, j'ai réussi à entendre. Ouais, mais tu sais qu'il y a par où tu passes et tout, ça, Martignas, il y a à chaque fois, il y a toujours ces mêmes endroits là où ça merdonne à fond, quoi. Voilà, hein, propague ou pas propague, à chaque fois, de toute façon, dans ces coins-là, c'est à chier, quoi. Je confirme, oui, donc oui, je te disais, Rémi, oui, comme ça, ça te permettrait de voir la finalité de mon cette radio, là. Comme ça, tu verras un petit peu là, tout ce que j'ai fait. D'accord, ok, ouais, d'accord, ouais, ok, on voit ça par SMS. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, Rémi, voilà. Là, toi, je suis allé un kilomètre. Ok, voilà, là je suis au point, je suis pas loin d'arriver à la sortie, et c'est vrai que là je t'entends déjà mieux là. Voilà, je suis à 800 mètres là de la sortie 10. Là je t'attrape déjà mieux là. As-tu eu l'occasion là d'écouter là, le web SDR de l'U33, Ludovic? Ah oui, ben je me connecte de temps en temps avec le portable, avec le téléphone portable. Voilà, et par contre, je vais mettre ça. Attends, j'ai eu un passage où il y a un couac. Ouais, tu disais? Oui, je te disais, je n'avais pas le mettre sur l'ordinateur, le SDR là. C'est quoi cette blague? Ben écoute, je ne sais pas, parce que chaque fois que je veux l'ouvrir avec l'ordinateur, ça me dit que la page est introuvable, tout ça. Alors, il doit y avoir une faute quelque part dans le lien. J'espère que ça va aller là parce que je vais regarder à l'extérieur ce matin. Ouais, mais écoute, je sais pas parce que j'ai essayé plusieurs fois de l'ouvrir là et donc je n'ai pas réussi. Alors je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ok, bon, tu sais comment aller sur mon forum. Oui. Bon, dans. Sous la bannière, sous le bandeau, là il y a une série de boutons. J'ai mis le web SDR en bouton là-dessus. Tu cliques dessus, tu arriveras direct. D'accord, ok. Bon, mais écoute, je regarderai ça. Puis bon, je t'appelle tout à l'heure, on en reparle, ok? Ok, je sais pas du tout si je suis à l'entrée ou derrière là aujourd'hui. Hein. Ça va être la surprise en arrivant. Ok, d'accord. Ben écoute, ouais, je t'enverrai un SMS, éventuellement j'essaie de t'avoir au téléphone. Parce que si t'es derrière, ça va, il n'y aura pas de problème. Et si t'es devant, ça sera plus compliqué. Oui, exactement. Dans ces cas-là, ouais, je te préviens. Ouais, pendant que tu me mets devant ou derrière, comme ça, bon, devant je sais que je serai, et derrière c'est pareil. Putain, ça fait pas un petit peu devant, c'est pour les YL, derrière, je te laisse deviner. Quoi. Ah, ça, et tu veux. Je peux tirer devant, là, comme ça, c'est plus facile, je suis plus prêt là, pour récupérer la voiture, après, c'est bon champ. Ok. Putain, mais je suis en avance, moi. Bon la vache, on voit que ça fait longtemps que je suis pas venu par ici et que je savais plus combien de temps il fallait. Putain pour dire. Hey, j'embauche à 7h. Il est 6h20 à peine. À chi trois coups. Ah ouais, c'est juste là. Putain, je viens de passer là à côté là du truc de prière, des machins, trucs bidules. Oh la vache, les QRM que ça dégage là quand on passe là. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Bon, de toute façon, là, c'est pas plus mal que j'arrive en avance. Puisque ben, pour cette année, c'est la première fois que j'y retourne. Donc, eh bien, le badge, là, je suis sûr qu'il marchera pas. Hachi. Ok, d'accord. Oui, parce qu'il est déjà actif. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps. Moi, c'est pareil, là, pour les connexions qu'on a là.
en journée, mais comme je fais que des matins maintenant, donc je me connecte très rarement. Donc quand je veux prendre mon poste les week-ends tout ça pour lire la messagerie, eh bien, je ne peux pas parce que y a une activité qui s'est faite de X temps, donc il n'y a pas de connectivité tout ça. Donc ça annule le truc. Alors chaque fois je suis obligé de redemander des mots de passe pour réinscrire et pour repasser et tout ça. Ok, voilà, le temps de faire trois petits tours sur le parking. Ah, je suis trois coups. Voilà, ça y est, là je suis à deux doigts là, de me garer. Ah, j'ai trois points d'accueil même, hein, qui m'arrive. Et avec le souffle qui est vraiment plus fort que le QRM. Putain, mais ici aussi le QRM a monté. Là, je suis sur le parking, là, je suis devant l'entrée. Hein. Bah là, c'est, je te dis pas, moi c'est pareil, je suis devant l'entrée, bon, c'est peut-être. Non, parce que la mécanique électrique elle est de l'autre côté, mais enfin bon, quand c'est là. Oui, je te disais, là je suis avec la super cordon, là, tu sais l'antenne que j'avais amenée à Pont-des-Barques, là, avec la self au milieu, là. J'avais réussi à l'accorder, enfin l'accorder, oui, le réglage est correct, là, très très correct, on va dire. Et puis depuis que j'ai mis cette en base, là, mais apparemment, il n'y a pas de décollement, là, puisque j'ai poussé la voiture jusqu'à 10 kg, là, 10-15 kg. Et ben ça a été quoi, elle décolle pas. Ok, vu que j'ai pas les lunettes sur le nez, si j'ai bien vu, ça doit être à Santiago 7, je crois, un truc comme ça là. Non, c'est la Super Gordon là, c'est la Super Gordon là, tu sais, celle que j'avais donnée. Oui, mais je te disais au niveau Santiago, comment je te recevais, ah, j'ai trois coups. Santiago, oui, d'accord. Ok, 100%. Ouais, voilà. Bon, donc, tu vas revoir les têtes abruties, alors. Ah ben, on va dire ça comme ça, chi. Là, ouais, mais bon, ça vaut pas l'autre site. Hein. Là où je serai demain, c'est là, alors... Ici, on va dire, c'est surtout dans, je ne vais pas donner de détails, mais c'est surtout dans une partie où il y en a, effectivement. Et demain c'est la totalité. Hein. Je me souviens une fois avec un autre collègue. Alors, le collègue lui demande comment était l'ambiance, comment est l'ambiance sur le site. L'un des mecs a répondu tout net, tant qu'on reste entre nous, ça va impeccable. Bon, ben bah, d'accord, comme ça, tu es au jus, tu sais déjà que d'entrée, tu déranges. Ah, chi trois coups. Ouais. Non mais bon, c'est là, sur là où tu vas demain, là, c'est normal, c'est bien, c'est tranquille. Hein. Voilà, c'est tranquille, René. Bon, quelle heure il est 25, quoi, je vais pas tarder, je vais y aller aussi m'avancer, là, parce que il faut que je prépare mon travail, moi. C'est moi qui me prépare mon travail, là. Voilà. Et puis bon, je fais ça tout à l'heure, Rémi. Je te rappelle ou ben, je t'envoie un petit SMS pour demain, et comme ça, tu verras. Ok, bon, pense là, je vais essayer de m'enregistrer là, les coordonnées là dans le GPS là d'ici. Comme ça, le prochain coup, quand j'enclencherai, je verrai plus facilement le temps que je passerai sur la route et tout, ça, s'il y a des bouchons, des trucs comme ça. Pour ça, c'est assez pratique. Hein. Ça permet de savoir si je dois accélérer le pas ou pas, quoi. Non mais bon, à partir de cette heure-ci, ça va, il n'y a pas trop de problèmes, hein. C'est vrai que ça circule bien, là. Voilà, donc c'est gagnant, après pour la débauche, ça c'est autre chose. Ah oui, comme tu dis, surtout que normalement en débauchant, je dois voir Ludovic, j'ai quelques trucs à voir avec lui. Ouais, je sais à quelle heure je débauche ce soir, c'est tout. Ah, ok, ben tu lui passeras le bonjour, petit Ludo. Voilà, ok Rémi, bon allez, je vais te laisser. Moi je vais avancer là, et puis pour préparer le boulot, et puis d'abord dire bonjour aux collègues. Alors ça va, nous ici, là, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Hein. Voilà, ok Rémi. Allez, je te dis à tout à l'heure, on fait ce qu'on a dit là, et puis je te tiens au courant. Ok, ça marche, les bonnes sont très à toi, bonne journée. Ouais, je te tiens aussi au courant pour savoir de quel côté je suis, et à plus. Ok, allez, à plus.
que j'ai, voilà, c'était un que j'avais, mais depuis le temps, à l'homme maître, ça ne dit pas tout, quoi. Il y a du contact, mais pas forcément, base émetteur, collecteur, etc. Bon, après le reste, voilà, c'est peut-être lui qui merde aussi. S'il n'y a pas de driver, le PA, il ne marchera pas, hein. Mais là, j'ai pris celui-là de 15 jours, moi. J'ai pas mis ce que t'avais dans la feuille parce que je savais pas lesquels. Surtout, ils étaient nades, les deux que j'ai vus. Ils étaient nades, donc après, ce que j'ai fait, sur le vieux porte que j'ai, je l'ai désoudé et j'ai ressoudé celui-là. Ce qu'il faudrait, c'est que si c'est le PA qui est pas bon, tu vas le savoir sur le tien. Le tien à toi, de ce PA-là. Si c'est pas bon, ben ça veut dire que c'est d'adopte, quoi. En tout cas, Moreau, fallait pas faire autre chose. Oui, mais c'est con. C'est con, quoi. Oui. Non, mais moi, le mien, non, je vais aller un jour, parce que si c'est pas bon, c'est peut-être que je vais m'emmerder à en faire venir. Et... Bon, ils te disent qu'ils tiennent pas, qu'ils tiennent pas, et puis je verrai bien, mais oh là là, je vais pas m'emmerder. Mais dans ces cas-là, tu testes celui que j'ai acheté, qui est bon, ben tu le gardes. C'est pas bon, Et puis, dans ces cas-là, moi, quand j'irai à... Quand il y a... Ouais, mais ils n'ont pas de... Ils n'ont pas le 2F, c'est machin pour un autre. Voilà, et la pitouille, c'est pas l'affaire pour moi. Alors, sinon, moi, j'aurais pris deux... Ah ouais, ça passe, hein.
tu vois, c'est une enfant 99, oui, elle est montée, ça fait rien.